Good morgen, allez, Yiden et Sussur aujourd'hui, Eloi Nishmat, Richaron Ben Fortune Mazal, Claude Israq Ben Fortune Mazal et Avraham Ben Shushan. Si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude de Mishnah, comptez-t-elle 5 minutes éternelles. Nous situons Maseret Rosh Hashanah, Pereguet Mishnah Zain. Rosh Bet Din Omer Mekudash. Bechol Aam Onin Acharav Mekudash Mekudash. Ben Shinira Bizmano, Ben Shelon Ira Bizmano, Mekadeshinoto. Rabbi El Azar Berbi Tzadok Omer, Im Lo Nira Bizmano, En Mekadeshinoto. Shekvar Kidshuhu. Shamaim. Je traduis directement, et après on explique. Rosh Beddin Omer, le Rosh Beddin, celui qui a la tête du Beddin, le grand juge du Beddin, donc le Av Beddin, il va dire, Mekudash, il est sanctifié. Vechol ha'am onin acharav, Mekudash, Mekudash. Et le peuple ensuite répond après lui, Mekudash, Mekudash, ils disent deux fois, il est sanctifié, Mekudash, Mekudash. Soit, ça y est. Depuis le début de la Maseret, on a parlé de la lune qu'il fallait voir, on a parlé des témoins qui l'ont vu, comment ils devaient venir, quand ils arrivaient à Yerushalayim, les questions qu'on leur posait. Et puis, enfin, on a reçu leur témoignage. Le témoignage est vrai, véridique, ils ont réellement vu la lune. Donc maintenant, il faut sanctifier le mois. Alors la Mishnah me dit, pour sanctifier le mois, et d'abord, une fois que le Av Beit Din a reçu le témoignage, il dit, « Mekudash, le mois est sanctifié. » Et tous ceux qui sont présents répondent, « Mekudash, Mekudash. » Et il répète deux fois pour sanctifier. Tout ça, c'est déduit de Psukim, dans la paracha des Moadot, et les Moad Hashem, Asher Tugrotam et Kodesh, la paracha qu'on lit à chaque Yom Tov. Alors, là-bas, la Torah dit, Vaydeber Moshe et Moad Hashem. Et Moshe dit, raconta les fêtes d'Hashem. Mais en fait, Vaydeber Moshe et Moad Hashem, Mikan Shorosh Beddin, Omer Mekudash. De là, on déduit que le mais Moshe Rabbeinu, c'est le grand Beddin qui était initialement. Et bien, de là, on déduit que le Rosh Beddin est de dire Mekudash. Et Chol Ha'am, et tout le peuple répond, Mekudash, Mekudash, parce que c'est gris. Et les Moadé Hashem, Asher Tikreu Otam. Et le mot Otam, comme il n'y a pas de voyelle dans la Torah, alors ça peut être aussi Asher Tikreu Atem. Comme ça, famille m'explique. Asher Tikreu Atem, Atem Korim. Atem, c'est vous qui allez fixer que le mois, il a été sanctifié. D'accord? Maintenant, il faut savoir qu'il y a deux situations. Il y a des mois de 30 jours, des mois de 31 jours. Comme on a dit, le renouvellement lunaire, il prend Kaftet Yudbet Tashtag. 29 jours, 12 heures et 793 sur 1080 par deux heures. Donc maintenant, il s'affaire finalement le renouvellement lunaire. Il va faire soit le 30e jour, ce sera le nouveau jour du mois d'après, ou soit on décidera que la partie de la journée, on recevra finalement le témoignage le lendemain, quand il y aura eu réellement le nouvel renouvellement lunaire qu'on aura déjà vu plus clairement. Et dans ce cas-là, ce sera le 31e jour. Donc on a deux situations. Alors sur ça, on va avoir une discussion assez intéressante, comme toute la Torah bien sûr, entre Tanakama et Rabbi Elazar Berabbi Tzadok, à savoir, quand doit-on sanctifier le mois? Est-ce qu'il faut sanctifier tous les mois de l'année? Ou bien en réalité, non. Le mois, il se renouvelle au 31e jour de manière naturelle, puisqu'il faut dépasser le renouvellement lunaire, pour ensuite fixer que le mois d'après, il sera le nouveau mois. Donc du coup, selon Rabbi Elazar ben Tzadok, on va le voir tout de suite, quand on va le traduire, selon lui, tu ne sanctifies que le mois que tu décides de le faire plus tôt que prévu. En fait, la date exacte, c'est le lendemain, c'est le 31e jour, puisqu'il faut finir et commencer le renouvellement lunaire. Ça, c'est en théorie. Maintenant, tu as décidé de le faire plus tôt, alors là, on a besoin que tu sanctifies le mois. Mais si le mois il va se renouveler naturellement parce que t'es arrivé maintenant au 31e jour, on n'a pas besoin de toi, on n'a pas besoin du Beit Din qui va décider que le mois il est sanctifié. Alors on fait ça dans les mots. Ben Shenira Bismano, Ben Sholonira Bismano. Que le mois ait été vu dans la journée, à son moment, c'est-à-dire le 30e jour, ou Ben Sholonira Bismano, que le mois n'a pas été vu au 30e jour, mais au 31. D'accord? C'est-à-dire qu'on a vu le renouvellement lunaire pour le 30e jour, pour le 31e jour, dans les deux cas, mais Kachinoto, il faut faire ce cérémonial-là de le sanctifier, donc recevoir les témoignages, et que le Av Beit Din va décréter Mekudash Mekudash. Par contre, ça c'est donc la vie Tanakama, donc tous les mois il faut les sanctifier au Beit Din. Tandis que Rabbi Elazar Rabbi Tzadok Omer, Rabbi Elazar Rabbi Tzadok dit, Imlo Nira Bismano, si le mois n'a pas été vu à le jour du renouvellement, c'est-à-dire au 30e jour, parce que dans cette journée-là va tomber le 29-12-793, alors là, dans ce cas-là, il me l'en ira bismano, si le mois n'a pas été vu, de toute façon, il n'y a pas eu de témoin pour cette journée du 30,
Alors, en mekachinoto, on n'a pas besoin de le sanctifier par le bedin. Pourquoi? Shekvar kitchuhu shamayim, car le ciel a déjà fixé. Naturellement, le renouvellement lunaire, il a été établi de toute façon naturellement, donc on n'a plus besoin de toi, le bedin, pour décider le renouvellement lunaire. La halakha est établie comme Rav Elazar Bar Tzadok, que même lorsque le bedin ne fixe pas, alors le mois, il est sanctifié pour le 31e jour. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.